Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Donc c'est la suite de la vidéo du mois dernier, donc la partie numéro 2, il ne restera plus qu'une après. Et dans cette deuxième partie, je voulais vous montrer comment réaliser des cannes cibles, plusieurs modèles de cannes cibles. Et avec toutes ces cannes, vous pouvez faire énormément de choses, notamment la canne kaléidoscope que je vous avais déjà fait en tuto, ou bien même des cannes fleurs, enfin bref, il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais vous verrez que dans la troisième vidéo tuto, je vous ferai quelque chose de complètement différent. Mais bon, ça, vous verrez ça que le mois prochain maintenant. Donc avec ce qui me restait de pâte, j'ai fait exactement les mêmes dégradés, donc voilà. Avant de faire la canne cible, on va étaler notre pâte le plus finement possible. Donc là, je passe ma pâte dans la pasta machine en réduisant l'écran petit à petit jusqu'à arriver au plus finement possible. Donc ensuite, je replie ma pâte sur elle-même dans le sens du dégradé. Et je repasse ma pâte qui est toute pliée dans le sens de la hauteur pour avoir un très long dégradé du plus clair ou plus foncé. Enfin après tout dépend du dégradé que vous avez choisi bien évidemment. Donc au niveau de la largeur, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Plus vous allez la plier sur elle-même et plus votre bande sera fine, moins vous allez la plier et plus elle sera large. Mais du coup plus petite aussi. Donc là c'est vous qui choisissez ce que vous voulez obtenir. Moi je voulais obtenir des longues bandes fines et pas trop larges. Donc je fais le même procédé avec tous les autres dégradés, c'est exactement le même principe à chaque fois. Pour réaliser la canne cible, on a plusieurs possibilités et c'est justement ce que je vais vous montrer. Donc la première version, c'est tout ce qui est le plus simple, on va juste enrouler le dégradé sur lui-même, donc dans le sens que vous voulez, hein. Ça dépend de si vous voulez le plus clair à l'intérieur ou le plus foncé, et après encore une fois ça dépend des couleurs que vous avez choisies aussi. Et vous avez la version de l'accordéon. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Faire l'accordéon à une seule main, c'est vraiment pas pratique. Et ensuite, on a plusieurs petits dérivés, donc là, je vous en montre quelques-uns, mais il en existe encore bien d'autres.
Donc pour les autres techniques, je vous laisse regarder en image, ça sera peut-être plus sympathique que mon charabia qui ne veut rien dire. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, vous m'excuserez. Donc après, il y a des cannes cibles que j'ai laissées tout simplement, que je ne me suis pas pris la tête, voilà, et que j'ai enroulées sur elles-mêmes, et puis d'autres que j'ai pliées en accordéon tout simplement. Thank you.
Donc là c'est facultatif, mais j'ai décidé d'enrouler toutes mes cannes dans de la pâte noire pour qu'elles soient toutes pas identiques mais avec le même fondu. Et donc voilà le résultat pour toutes mes cannes cibles. Donc finalement, bah, je suis restée dans une ambiance assez simple parce que au niveau des cannes cibles, on peut vraiment faire des choses beaucoup plus poussées. Mais voilà, je suis restée dans la simplicité et ça me va très bien comme ça. Voilà. Et donc le mois prochain, bah oui, parce que j'ai envie de vous faire patienter encore une fois, je vais vous montrer la réalisation finale. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces cannes? Mystère éboulé. Oh, quelle vieille expression, dis donc. Et donc vous allez voir dans la dernière vidéo, la partie réalisation, ce que j'ai fait, mais ça ne reste qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a vraiment énormément de possibilités à faire. La canne-ci, vraiment, vous pouvez vous lâcher et faire ce que vous voulez avec. Donc voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bah, je vous fais plein de gros poutous. Et à très bientôt. Voilà. Bye.